Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des idées recettes pour un pique-nique, pour un brunch, pour sortir et pourquoi pas, oui aussi, pour la table du Eid. Oui, j'ai pensé à ces recettes pour notre table du Eid et puis je les ai faites, je dirais, en amont, en avance, parce qu'on a fait un bon pique-nique avec les copines et les enfants, on s'est bien régalé. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas vous partager ces bonnes recettes. Tout d'abord, je commence toujours par le dessert, parce qu'il faut toujours prendre le temps qu'il refroidisse bien. Puis là, il ne fait pas encore très très chaud, alors on peut faire ce type de dessert. Comme je vous ai dit, pourquoi pas avec l'Aïd qui arrive. Voilà, une bonne charlotte aux fruits, aux fraises. Et franchement, elle était juste excellente. Tout le monde a beaucoup beaucoup aimé, elle est très très vite partie. Pour cela, il me faut soit des boudoirs, soit des biscuits à la cuillère. C'est vrai que moi, j'aime bien faire quand même ce gâteau avec des biscuits à la cuillère. Il vous faudra un paquet et même un petit peu plus. Vous allez voir, pour ce genre de moule, pour cette dimension, alors je ne sais pas, je crois peut-être que c'est un 24 cm, soit 24, soit 26. Alors, je voulais vous montrer, regardez, ça ne tient pas. Je voulais pas les couper. Je voulais pas les couper, les boudoirs, celles qui sont debout, ceux qui sont debout. Je voulais laisser vraiment entier, je voulais pas couper du tout. Moi, c'est vrai que ça aurait pu me faire des chutes et les garder pour le fond, voilà, ou pour le deuxième étage. Non, moi, j'ai préféré les mettre entiers, sinon après, vous pouvez aussi les couper. Voilà, non, je voulais que ça soit assez haut, c'est pour ça. Alors, on fait tout le tour et j'ai pris du lait, je les imbibe. Ceux qui sont en dessous, qui font le fond du gâteau, je les imbibe recto verso sur les deux côtés, côté sucré, côté plat. Et ceux qui vont faire tout le tour, juste sur le côté qui est à l'intérieur, parce que je veux pas que ça soit trop imbibé. Je veux vraiment que le gâteau tient, quoi qu'il ait une belle tenue. Ceux qui sont tout autour, juste la partie, je dirais intérieure du gâteau, mais pas extérieur côté sucre. Comme ça, en même temps, ça ne fait pas fondre le sucre. Voilà, j'ai fait tout le tour, tout le fond. J'ai monté ma crème en chantilly. Pour cela, j'ai eu besoin d'une boîte de mascarpone, 250 grammes, et 3 briques de crème liquide à 30%, bien bien froide, et du sucre, soit du sucre glace, soit du sucre en poudre. J'ai bien monté ma crème en chantilly. Grâce à un fouet électrique ou voilà votre robot pâtissier, attention, pas trop non plus, il faut qu'elle soit ferme, mais pas trop non plus, parce qu'après, quand on laisse trop tourner, ça fait l'effet inverse. Voilà, elle peut tourner. Ensuite, j'ai mis pour ma part des fraises et des framboises. Après, vous pouvez vraiment faire, voilà, vous pouvez faire un tutti-frutti, vous pouvez mélanger les fruits, vous pouvez faire par exemple mangue passion pour changer un petit peu. J'avais des fraises et ma copine voulait absolument une charlotte aux fraises. Je lui ai dit, promis, promis, je te la fais, Inch'Allah, et je te l'emmène au pique-nique. Ensuite, une fois qu'on a mis de la crème sur le fond du gâteau, on remplit de fruits, on met des biscuits. Vous avez vu, j'en avais pas assez. Alors, heureusement que j'avais des biscuits secs. Pareil, voilà, que j'ai imbibé. Et après, on recouvre de crème, il faut diviser votre crème chantilly en deux. Mais c'est vrai que j'aime bien en mettre plus au fond du gâteau. Et déjà que j'arrive pas trop à diviser à l'œil comme ça, à l'œil nu. Mais j'aime bien mettre toujours un petit peu plus pour que ça tienne bien. Et maintenant, je vais finir avec mes fruits, des fruits rouges, mais bien bien frais. Des fraises. Voilà, j'essaie de faire une petite déco. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Tout autour et au centre aussi. Des bonnes cerises. Bien, bien sucrées. C'est franchement super. Hein. Rien à dire. Et des myrtilles. On peut rajouter des mûres. On peut rajouter des framboises aussi. Comme moi, j'en avais mis à l'intérieur. J'en avais pas mis à l'extérieur. J'en avais plus. Après, vous pouvez faire ananas, noix de coco. Vous pouvez mélanger de la noix de coco râpée à la crème. Voilà, vous pouvez vraiment faire un bon gâteau avec plein de fruits de saison, de la pêche, abricots, tout ça. Ça se marie très très bien.
Et voilà, le gâteau, il est prêt. Il est vraiment très facile et rapide à faire. Pas besoin de faire un gâteau, une génoise, un gâteau moelleux. Les boudoirs, ils sont super moelleux. Et ensuite, à réserver au frais. Toujours, toujours le dessert en premier. On réserve au frais et maintenant, on va passer au reste. Juste avant que je commence le dessert, j'ai fait cuire du riz pour faire une bonne salade de riz. Le riz, alors moi personnellement, je le cuis, pardon, pas trop, trop, trop. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de croquant, pas cru non plus, mais voilà, pas trop, que ça soit pâteux. Et après, vous voyez, quand le riz est trop, trop cuit. Et ensuite, je ne sais pas pour vous, mais quand je les goûte, j'aime bien le rincer. Qu'est-ce qui m'arrive là aujourd'hui? Ma langue fourche. J'aime bien le rincer après avec de l'eau froide. Alors, est-ce que vous faites aussi ça ou pas? Moi, j'aime bien le rincer avec de l'eau froide pour que la cuisson stoppe. Ensuite, j'ai pris des cornichons que j'ai coupés en petits morceaux, des poivrons, un poivron vert. Là, j'ai des petits poivrons comme ça, des mini poivrons. Rouge, orange, pareil, en petits morceaux. De la tomate, j'ai rajouté une boîte de thon. C'est du thon à l'huile. Gardez un petit peu d'huile. Ouais, ça donne un goût. Franchement, c'est super bon. Moi, j'aime pas la salade de riz qui est fade. Voilà, il faut qu'il y ait du goût aussi quand même. Et on rajoute du croquant avec les légumes crus. Ensuite, on nettoie au fur et à mesure. Du maïs, une bonne boîte de maïs. Je rajoute le riz, ensuite je vais saler, poivrer. Malgré que j'avais salé mon riz, alors je ne vais pas mettre trop trop de sel non plus. Du poivre et de la mayonnaise et sans oublier du vinaigre. Oui, je vous ai dit, faut qu'il y ait du goût, il faut que ça pique un petit peu, il faut que ça soit bon quoi, que ça se marie bien avec le reste des légumes. On peut rajouter du concombre, on peut rajouter pourquoi pas aussi des carottes râpées. Oui, je le fais avec des carottes râpées bien bien râpé assez finement et de la coriandre et du persil bien frais. Depuis que je conserve le persil et la coriandre dans les verres, alors franchement ça se conserve, allez on va dire minimum une semaine jusqu'à 10 jours, ouais ça peut aller jusqu'à 10 jours. Il faut changer l'eau hein, de temps en temps. Quand l'eau commence à se salir un petit peu marron, voilà, changer l'eau tous les 3-4 jours. Comme ça conserve le plus longtemps vos herbes. On goûte toujours, surtout quand voilà, on reçoit des invités ou que là, voilà, avec les copines et tout. Comme ça, on est sûr de l'assaisonnement et surtout quand on est à l'extérieur, parce que bah, après, on ne peut pas assaisonner. Et je vais conserver dans une boîte bien hermétique avec le couvercle et on va réserver au frais. Maintenant, on va passer au hummus. Alors, franchement, c'est trop trop bon. Je voulais déjà partager cette recette, mais il y a très longtemps. Et maintenant, mashallah, la chaîne a bien grandi. Il y a des nouveaux et des nouvelles. Bienvenue à eux. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas filmer aussi, vous partager cette bonne recette. J'ai une boîte de pois chiches pour ma part, une grosse boîte. Ensuite, j'ai assaisonné avec du sel, du poivre, du cumin, du paprika. Il me restait un fond d'épices. La fameuse épice que je vous avais déjà parlé, c'est un mélange en fait avec du paprika, des herbes de Provence, etc. Mais franchement, très très bon, ça rehausse le goût. Et un yaourt nature, j'ai rajouté de l'huile d'olive aussi, j'ai mixé, j'ai bien bien mixé. Et ensuite, ben, pour moi, la texture n'était pas bonne, c'était assez épais. J'ai rajouté un autre yaourt. Voilà, faut savoir pour une grosse boîte de pois chiches, il faut mettre deux yaourts nature. Ensuite, je voulais les conserver dans des boîtes en plastique. Et je me suis dit, tiens, je vais les présenter directement dans ces petites coupelles. Je vais les filmer avec du film alimentaire et les réserver au frais. Ensuite, là-bas, sur place, je ferai ma petite déco. Je vais emmener ce qu'il faut avec moi. Une salade cette fois-ci qui change d'ordinaire et qui est très très bonne et très bien pour la santé. Avec de la salade, là pour ma part de la salade iceberg, bien sûr lavée et coupée en petits morceaux. Une boîte de lentilles rincées et égouttées pour enlever l'amidon.
de la tomate, du concombre, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du vinaigre et on mélange bien. Par contre, il faut savoir que voilà, une fois que vous l'assaisonnez, et surtout voilà, avec l'huile d'olive et le vinaigre, il faut la manger assez fraîche. Oui, je vous disais parfait. Franchement, super bonne et ça change. Elle est vraiment juste voilà, très très bonne. Manger bien frais et puis ça change des salades traditionnelles. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit pourquoi pas. Voilà, idée de recette aussi pour votre repas du Eid. Voilà, avec les grillades, ben franchement, ça se marie très très bien. Et à manger frais comme ça, franchement, c'est juste excellent. Maintenant, il est temps de préparer le petit panier plus le reste, parce qu'il y a toujours plein de choses à emmener. Une nappe en plastique, une nappe, pardon, jetable, bien sûr, des serviettes, du sopalin, des assiettes en carton ou en plastique avec les couverts. Ensuite, j'ai ramené des verres à thé, oui, puisqu'on va faire thé sur place comme la dernière fois. Voilà, et j'ai ramené de quoi assaisonner, de quoi plutôt, je dirais, finir le houmous, de l'huile d'olive dans une toute petite boîte. Et j'avais ramené aussi du paprika. J'aime trop ce panier. Je l'avais pris à la brocante l'année dernière. J'aime beaucoup. Sans oublier un sac de poubelle. Oui, minimum un sac de poubelle. Et les copines ont emmené aussi leur sac de poubelle. Toujours, toujours, voilà, pour ben, avoir une poubelle à proximité et ne rien laisser sur place. Et bien sûr, mon fameux bread, ma théière, pour faire le thé. Le thé ben, à la menthe, voilà, que ma copine a ramené de son jardin. Bon, ça sent super bon et franchement excellent. Et allez, maintenant, il est temps de partir pique-niquer avec les enfants et les copines. Ben, chacune a ramené voilà, un petit quelque chose et c'était vraiment très très bon. Il y avait de tout, les croque-monsieur, de la quiche, je ne vous ai pas tout montré, mais il y en avait de partout, machallah, des glaces, des desserts, des muffins. Il y avait vraiment ben, tout ce qu'il faut, les boissons, l'eau, etc. Voilà tout. Je voulais vous filmer un petit peu aussi. Ben, ce qu'il y avait en face de moi, juste à côté, à proximité de moi. Voilà, je me suis fait deux assiettes là. Et on a bien, bien rigolé, on a bien mangé, on a bien profité. Ça fait plaisir, voilà, que de rester à la maison ou travailler ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait plaisir de se réunir et comme ça entre nanas, entre filles, avec les enfants qui jouent juste à côté. On finit avec une note sucrée, avec des notes sucrées, je vous dis, les copines ont ramené aussi ce qu'il faut. Mais je voulais vous montrer, voilà, la bonne Charlotte, le bon gâteau, facile à réaliser. Vraiment, ça prend pas beaucoup de temps, à part d'ouvrir les paquets, de laver les fruits, de les laisser sécher. Oui, il est très important, je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'essaie toujours de vous donner les détails des détails, parce que ben, je trouve que c'est pas tout le monde voilà, qui donne ces détails-là. Et ça peut faire voilà, la différence, surtout quand vous avez des invités à la maison. Séchez bien vos fruits, qu'il n'y ait pas des petites gouttelettes là comme ça, et qui vient abîmer votre gâteau et humidifier votre crème aussi. Le gâteau, juste excellent à faire et à refaire. Et j'espère que cette vidéo et les autres recettes aussi, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Likez un maximum pour me soutenir et que je puisse continuer à vous partager encore plein de bonnes choses. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah.